Salut les boys et bienvenue sur musculationprisedemasse.com, le site qui répond à vos questions de musculation et qui vous montre des trucs au gym pour faire les meilleurs exercices qui soient pour devenir plus fort, coter plus rapidement et prendre de la masse plus vite et tout ça au naturel avec les conseils de Charles et Étienne qui est nous deux. Donc j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'ai une vidéo tout spéciale pour toi parce que je suis tombé sur une chronique sur RDS et qui racontait les tests physiques des Canadiens de Montréal. Donc, Canadiens de Montréal ne va pas faire ces temps-ci parce qu'ils sont pas mal en lockout. En tout cas, et à ce moment-là, ben, ils ont fait les tests avec les Bulldogs d'Hamilton, puis on s'entend que c'est quand même des pros, c'est quand même des joueurs qui vont faire un jour ou quelques-uns vont faire la Ligue nationale. Donc, je t'explique là-dedans leurs tests cardiovasculaires. Et pour les membres, je vais donner les normes également qu'on donnait puis que le préparateur physique donnait sur, dans le fond, là, c'est quoi un bon cardio. Donc, si vous voulez savoir, vous matchez votre cardio par rapport aux joueurs des Bulldogs, mais vous allez pouvoir savoir, dans le fond, comment le faire puis comment vous tester. On a une formation, là, aujourd'hui, on est vendredi, demain matin, la dernière chance pour regarder ma formation. Donc, formation sur les plans alimentaires, ça s'appelle 5 conseils pour te monter un bon plan alimentaire. Tu vas savoir là-dedans la clé numéro 1 d'un plan alimentaire qui fait prendre la masse. Tu vas apprendre aussi un truc simple pour manger plus et grossir plus vite et comment rajouter tes aliments préférés dans ton plan alimentaire. Bref, je vais couvrir tout ça sur l'alimentation. Et si pour toi, ça t'intéresse d'avoir un plan alimentaire, sache qu'on a une promotion qui finit dimanche soir, 50% off sur nos plans alimentaires. Si toi, tu n'as pas le temps de niaiser dans la vie puis tu veux avoir la meilleure alimentation possible pour soit perdre du gras puis coter, ou soit tu veux un plan alimentaire pour prendre de la masse musculaire, mais ça te prend la bonne quantité de calories, la bonne quantité de protéines et bien agencer ça dans tes repas pour la journée pour optimiser ta prise de masse musculaire. Si tu perds ton temps au gym, tu t'entraînes super fort, mais tu manges mal, tu perds vraiment ton temps. Fait que j'espère que tu as ce qu'il faut pour avoir la bonne alimentation. Et si tu veux la Cadillac, mais le plan alimentaire, c'est pour toi. T'as autre chose à rajouter, Étienne? Pas aujourd'hui, non. Bon, mais passez une bonne journée, les gars, et à bientôt.